ils ont sûrement un goût de revanche dans la bouche, les Parisiens, après la défaite lors de la phase aller, la seule dans cette compétition, la seule sur la scène européenne pour le Paris Basketball. Et à cœur de rebondir après le, et à domicile, et après le revers de ce week-end en Betclic Elite. Opération correction pour le Paris Basketball à Istanbul. Et ça commence avec le alley-oop, Léon Crasseur. C'est marrant, Manis, on voit souvent cette action de alley-oop d'entrée de jeu. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi les défenses n'arrivent pas à stopper ça d'emblée. Et alors ? Réponse de Jonah Matthews. Jay Shorts s'arrête, mi-distance, la met en l'air pour Léon Crasseur. Quel début de match de l'intérieur du Paris Basketball, gavé de ballon, Cédric. Jay Shorts contré sur sa tentative à 3 points. Matt Mitchell, ça s'est refermé. À l'opposé de Jonah Matthews, à 3 points pour enflammer les supporters turcs. Allez, il faut réitérer une bonne défense là pour repartir de l'avant. Mitchell se retourne et marque par-dessus Colin Malcolm. Le talent de Matt Mitchell, on le connaît en France. Jonah Matthews, le dribble dans le dos, le tir mi-distance qui est court. Allez, du rythme pour les Parisiens, il en faut. Justin Simon, le 2 plus 1, voilà de quoi relancer la machine. Avec l'écran, se lève mi-distance, les deux premiers points face à son ancienne équipe pour Kyle Allman. Non, c'est Alston, pardon. Allman attaque le cercle et dépose les deux points. Ouais, c'est bien joué, Kyle Allman. Extérieur, il a été malin, il sait que les défenses vont monter, il en a profité pour attaquer le cercle. Et alors, TJ Short qui marque à 3 points, c'est pas dans ses habitudes, mais il fait du bien celui-ci. Allman qu'on TG confondait Short parfois avec le deuxième. Ouais. Le deuxième tir privé pour TJ Short. Eh bien, c'est TJ Short qui ramène son équipe au score avec 2-3 points. TJ Short, fin de tir à 3 points. Ouais, et Valpoint finalement. Ils ont bien tué. Le troisième pour TJ Short, alors qu'on dit souvent que c'est pas sa force principale. Et il est bien dans son match. Absolument. Il y a des pays où je tenterai moins quand même ce genre de choses. Hein. Turquie, Grèce, Serbie. Lui qui a été très très bon la semaine dernière face à Badalone, 12 points en 14 minutes. Ouais, sa présence physique parce qu'il est tanké le garçon. Oh oui. Et lui il va au charbon. Ah il est dur ce shoot. Non, il le met. C'est pas possible. Kerem Konan, un tir miraculeux. Ça part dans tous les sens depuis quelques secondes là. Simon, bon, très bon service pour Enzo Charvin. Bourlou attaque le cercle, nouveau ballon perdu qui va offrir un dunk à Justin Simon. Un nouveau stop pour les Parisiens qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec Sébastien Herrera. En l'air pour Enzo Charvin qui arrache tout. Ouais, c'est très bien joué parce qu'il a mis de la distance là sur le pick and roll. Il est assez loin pour écarter les défenses et pouvoir envoyer un ballon très propre en l'air là pour Charvin qui vient dunker. Allman à l'opposé. Matt Matthews qui va tenter sa chance avec la planche à 45 degrés, d'accord, mais je suis pas sûr que c'était volontaire du tout. Non, on l'a vu lever les mains au ciel. Ah, c'est les vieux de basket qui lui ont donné un coup de main. Allez, TJ Short après dribble sur sa main droite.
Didier Schorst, il est passé, il va au bout. Il met son 13e point, le garçon, en 11 minutes. Ouais, score un peu moins cette année, mais le jeu est différent. Didier Schorst, il est distance très, très chaud pour faire 15. Ils sont montés à 9, les Parisiens, je crois, à un moment. Rien ne vous échappe, bien joué. Je m'étais fait la réflexion à ce moment-là que c'était le plus gros écart du match. Jonah Matthews, quel tir en fadeaway. Ouais, autant à 3 points, il avait un peu du mal, autant on se souvient, le périmètre intermédiaire, les tirs mi-distance, c'était vraiment son péché mignon. Colin Malcolm, pas loin du marché, qui marque. Grosse pression de Matt Mitchell et un ballon volé finalement. Jonah Matthews, le flotteur. C'est joli, tout au contrôle. On s'accourt, le alley-oop pour Kratzer. Oui, qu'est-ce qu'ils vont vite, les Parisiens. Exactement ce que le coach turc a dit de ne pas faire, les petites erreurs comme ça de repli. Quel match, Leon Kratzer, omniprésent au scoring. Lui qui d'habitude a le travail ingrat. Et de nouveau du jeu rapide, TJ Shorts avec Colin Malcolm. Et Paris à l'attaque tout de même avec TJ Shorts, mi-distance, oh, encore intenable. Cette faculté à crosser, vite se décaler là pour se lever, c'est impressionnant. Là on a vu précédemment la défense. Allez, ah, il fait du bien. Il fait du bien ce tir de Colin Malcolm pour prendre 11 points d'avance, Cédric. Donc oui, il y a une vraie relation particulière entre les meneurs de jeu et les coachs en règle générale. Donc forcément, il faut être plus près du coach pour continuer d'échanger. Le tir à 3 points et la faute pour Jonah Matthews. Peut-être l'action à 4 points. Ça, c'est ballot. Souvent les meneurs sont à courant des choses avant le reste de l'équipe. Oh, la bonne passe d'Adi Riffi et le poster de Leon Kratzer, de Enzo Charvin pardon, qui se permet un petit peu de trash talking dans la foulée. Ah, parce que lui quand il monte pour le contrer, il faut déjà contourner les épaules. Ouais, Berkourlou qui a une grosse pression. J'ai short mi-distance. Oh, quel tir. Encore. C'est trop fort, TJ Short. Sébastien Herrera. Attaque de cercle contrée par Kavelman. Il s'était fait prendre dans le milieu, mais qui est bien revenu. Bien tenu, Mikael Yantunen en défense face à Matt Mitchell. Angel Delgado renvoyé par Leon Kratzer. Oh, superbe! Derek Needham! Quelle passe pour servir André Delgado! Needham. Herrera qui a pas de tirer encore. Oui, il c'est vrai. Ce tir. Oh, le tir de Jonah Matthews! Oh, celui-là, il est fou! Dans le corner, enfermé! Et il score quand même! Il en fait des efforts Derek pour avoir la balle. Ouais. Derek Needham, sacré défenseur. TJ Shorts face à Kyle Ullman. Il a sauté, il a mordu à la fin. Oh, le travail de TJ Shorts et une faute technique par contre qu'il va prendre, je crois, le meneur parisien. Hey, Cougar, non, ils les ont pas dressés. Hein. Ils ont perdu à gentil. Ah, d'accord, on s'en fout. Je crois. D'accord, quoi. Attention, attention, retour de Besiktas avec le tir à 3 points de Jonah Matthews. Banjasi, qu'on n'a pas vu énormément aussi, qui a joué 7-8 minutes, pourrait apporter sa pierre à l'édifice également. Yantunen, oui, qui marque à 3 points, il fait du bien celui-ci.
Anna Matthews en échec, rebond TJ Shorts, la relance avec Nadiri Fee, ça va trop vite. Les deux dragsters. Allez, il va le jouer, bouger autour. Bien sûr. Ah, il est trop sur place, il peut être un peu plus tranchant. Et oh, il a marqué quand même. Il a fait danser son vis-à-vis turc. Nadir Ifi, 2 minutes 30 à jouer, plus 15 pour Paris. Oh, Nadir Ifi jusqu'au bout. Ah, qui vient slalomer dans la défense là. Ballon volé. Simon en l'air pour Bonjassi. Histoire de bien finir une soirée quasi parfaite. Idem, un dernier tir pour les Turcs qui ne changera rien. Derek Idem, eh ben non, même pas, ce sera un ballon perdu. Allez, bah, ils vont nous remettre 2 dixièmes à jouer. Une remise en jeu. Non. Bon, les coachs, ils ont même pas envie de la jouer, ouais. Il n'y a pas trop d'importance, là le goal average n'a plus d'importance. Victoire du Paris Basketball qui se relance après sa défaite à Strasbourg ce week-end face à Beşiktaş. Les hommes de Tuas Thomas Sisalo auront été maîtres